Je m'appelle Sirpaline et je suis comédienne. The most important element in a film is the actor. You have to understand, help and cherish him. Everything depends on him. Orson Welles. Monsieur Spielberg, est-ce que vous aimez le cinéma français? I prefer French cooking. It's a synthesis of all cultures and all customs, both European and worldwide. Monsieur Spielberg dit que le cinéma français est l'exacte synthèse de toutes les cultures indo-européennes et mondiales, que sa richesse vient du foisonnement de ses influences. Monsieur Spielberg, que pensez-vous de la nouvelle vague? Nouvelle cuisine? A lot of color, not much contents. All served up on a decorative plate. Monsieur Spielberg dit que le nouveau cinéma est une manière plus dépouillée de présenter une histoire compliquée qui pourrait être simple. Par exemple, un homme et une femme, une plage, de l'amour, de la violence, du sexe, une idée de scénario. Jean n'arrivait pas à comprendre comment sa fuite avait pu le mener jusqu'ici. Le soleil était au rendez-vous, la mort aussi peut-être. Il avait connu des gens. En voyant Catherine, les brumes de son esprit se dissipèrent. Con. Bite. Trou du cul. Pousse-toi. Tu me fais de l'ombre. Il se pencha vers la jeune femme. Qu'est-ce que tu lis? Luc, écoute ça. Je m'appelle Jean. Plus de monde nocturne, donc isolé du monde dur. Une Jerry évoluée. Jean n'arrivait pas à comprendre pourquoi Catherine n'arrivait pas à le comprendre. C'était un problème de compréhension, d'incompréhension. Catherine se promenait des jours entiers sur la plage, ressassant des mots inaudibles. Des mots. Je m'ennuie. Terriblement. Un terrible ennui. Oh, au début c'était sympa. C'était l'aventure. On jouait à Bonnie and Clyde. Et puis Jean, c'était Voggy, Capone, Cagney. C'était super. Maintenant, c'est plus qu'un pauvre type avec les flics au cul. Alors, je m'ennuie. Mais qu'est-ce que je m'ennuie? Je trouve qu'il y a trop d'air ici. On étouffe. Et tu crois nous faire gober ça? Et la valise s'est envolée comme ça. Et le pognon avec, peut-être, hein? C'est pas, elle est partie. Laszlo Mirodo, ça te dit quelque chose? Tu savais que c'était son frère? Ça peut aller chercher loin, ce genre d'affaires. Alors, tu l'as connu où? Tu vas parler, oui? J'ai connu Catherine à Las Vegas. Elle avait 16 ans. Alors, ensuite? Aussitôt, on a décidé de se marier. C'était un mardi, et je m'en souviens, parce que ce jour-là, on nous avait dit qu'on mariait que les hommes. Ensuite? Alors, Catherine a enfilé un de mes costumes. Mais arrivé à l'office, on nous annonçait que c'était la journée du mariage entre femmes. Alors Catherine m'a filé une de ses robes. Ensuite? Pendant la cérémonie, on nous a piqué toutes nos valises dans la voiture. Et Catherine a trouvé le moyen de filer avec le bedeau. Ensuite? Alors je me suis retrouvé comme une conne. Lorsque je l'ai retrouvée, elle était serveuse. Elle avait beaucoup servi. Elle travaillait dans un hôtel de passe. Un père et manque. On pouvait pas se manquer. Alors on s'est recollé. Et puis on s'est cassé. Ah, on a plein d'argent. Mais on n'a plus d'amis. Ouais, ben on n'a plus de bagnole non plus. La vie est implacable. C'était peut-être en son enfance, dépourvue de soucis matériels, qui avait donné à Catherine cette indifférence vis-à-vis de l'argent. Allez, viens, on se tire, ça a assez duré, la comédie. Vous avez eu tort de me sous-estimer, monsieur Bond. Jean, regarde ça. Oh, je m'appelle Luc, bordel, je te l'ai déjà dit. Oh là là, quelle affaire. Grave affaire politique.
Pom pom pidou. Pou! Michon, attends-moi! Le caractère fantasque de la jeune femme fascinait Jean. J'aime ta peau. Les traits de son visage lui rappelaient un Archimboldo retravaillé par Cézanne un jour de Mistral. Elle avait la Provence dans ses cheveux, l'Afrique dans son sang, le fric dans sa peau. J'aime tes fesses. Ne me touche pas. Luc décida d'affronter Catherine. Non, Jean. Jean décida d'affronter Catherine. J'aime beaucoup ta cuisse. Le corps lui-même, où la conscience humaine agit comme un vibrant condensateur, et la précision de sa silhouette semblait appeler une synthèse toujours plus grande. J'aime ton genou aussi. Tu me dégoûtes. Enfin, Catherine, tout cela... Jean regarda Catherine avec étonnement. Mais lâche ça, bon sang, lâche ça! Elle vient pas me tâcher, elle. Non, tu es trop petit pour mourir. Je te méprise. Mes plaisirs épelés, ça, ça me plaît. Que ça te plaise ou te déplaise, ce que je veux, c'est de la baise. Tu cazzo raccasti la mia canzone? Tu cazzo raccasti la mia canzone? Tu trovi che je fais bien l'amour? Pas mal. Et mes fesses, comment tu les trouves? Pas mal. Et mon poussi? Comment tu la trouves, ma poussicate? Poussicate aussi, pas mal. Et mes nichons? T'aimes bien mes nichons? Qui ça? Oh, mais qu'est-ce que tu fais? Et ma profil? T'aimes bien ma profil? Ouais, peut-être. J'ai découvert le secret du cercle, Catherine. Oh. Il est immédiatement inscrit dans le cercle suivant. Regarde-moi. Oh,
Jean, regarde-moi. Il me regarde pas. D'ailleurs, il m'a jamais regardé. Il ne fait que voir. Voir à travers moi. Se voir à travers moi. Forcer les autres à me regarder. Jean, regarde-moi. Jean, regarde-moi. Mais qu'est-ce que tu veux? Mais qu'est-ce que t'as? Non, mais qu'est-ce que tu vas faire? Non, mais ça va pas. Non, Catherine, non, non, pas ça. Non, non, arrête pas ça. Et les armes parlèrent. Alors, j'ai tiré. Et il est tombé comme un héros de cinéma. En souriant. La vie, l'amour, la merde. J'en pourrais plus de son amour. Il m'aimait trop. Elle est complètement cinglée. Tu es malade. Je suis énervée. Et puis j'y comprends rien à ce film. Laissez-moi! Où est la mère? Où sont les cigales? Mais ça parle de quoi, son film? Oh, j'en sais rien. Personne ne le sait, d'ailleurs. Ils m'ont fait jouer dedans, j'ai rien compris. Ils m'ont donné rôle du mort. Ah non, non, je leur en veux. En plus, ils m'ont coupé toutes mes scènes d'action. Oh là là, quel micmac.